Là, je me présente d'abord, je suis Eliali Aydar, le président de l'association Oceanium, qui est une association de protection de l'environnement. Cette année, nous avons décidé de nous battre à aider la mer parce qu'elle est envahie par des filets perdus, notamment le monofilament en nylon. Ce filet cause d'énormes dégâts dans la mer quand on le perd, parce que les pêcheurs vont le poser sur des secs. Ils vont l'abandonner là et ce filet malheureusement va continuer à pêcher, à détruire l'océan. Et en plus, quand avec le temps il va se désagréger, il va libérer dans l'océan des matières toxiques. Donc nous avons recensé environ 5000 filets perdus dans la mer et comme nous voyons au quotidien, parce que nous sommes plongeurs, les dégâts que causent ces filets, nous avons décidé d'aider la mer avec des bonnes volontés des plongeurs qui nous ont aidés. Nous avons décidé de nettoyer les fonds marins. Et cela a donné un résultat que vous avez vu parce que nous avons pu sortir sur les 5000 filets que nous avons recensés, nous avons pu sortir environ 200 filets.